よう BMS たち、俺は BMS ボードメディカル先生だ。ようこそ BM ショー。先生、神経内科落ち着いてください。いや、ダメだ、まだ学びが足らん。よくも一生に俺は。Ça y est, je commence enfin une série de vidéos dédiées à la spécialité qui s'intéresse à l'organe le plus noble du corps à mes yeux, la neurologie. Et pour cela, il nous faut des bases solides. Alors je vous propose dans cette vidéo de reprendre toutes les notions essentielles vues en première année de médecine sur le cerveau qui nous serviront pour plus tard. Pour cette fois-ci, on verra donc l'anatomie générale du système nerveux avec les différents lobes cérébraux, les noyaux gris centraux, les ventricules et les méninges. Et dans une prochaine vidéo, l'histologie du système nerveux avec la description du neurone, l'organisation du cortex cérébral et les cellules gliales. Alors armez-vous de votre marteau réflexe, c'est parti ! 1. L'anatomie générale du système nerveux. Le système nerveux se divise en trois parties, le système nerveux central, le système nerveux périphérique et le système nerveux autonome ou végétatif. Le système nerveux central est, comme son nom l'indique, central. Il comprend l'encéphale, donc ce qu'il y a à l'intérieur de nos crânes, et son prolongement vers le bas, la moelle épinière, qui est entourée et protégée par la colonne vertébrale. Et qu'est-ce qu'on a exactement à l'intérieur de nos crânes? Eh bien le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. C'est la petite partie qui vous relie le cerveau à la moelle épinière. Le tronc cérébral est lui-même constitué de trois parties, le mésencéphale en haut, la moelle allongée en bas et le pont au milieu. Et c'est justement à l'arrière du pont que l'on trouve le cervelet. C'est un mini-cerveau qui sert surtout à la coordination des mouvements, au maintien du tonus et de l'équilibre. C'est d'ailleurs comme ça que vous pouvez rapidement retrouver l'avant et l'arrière sur un schéma. Et le cerveau me fait aussi penser à un casque du SWAT, donc ça peut aider aussi. À côté de ça, vous avez le système nerveux périphérique. Ce sont en fait tous les nerfs qui naissent à partir du système nerveux central et qui s'épanouissent dans l'ensemble du corps. Soit pour exécuter un ordre venant du SNC, ou à l'inverse, rapporter une information périphérique au niveau central. Enfin, vous avez le système nerveux végétatif. C'est le système nerveux qui permet à notre corps de réagir à une situation de stress, donc se battre ou fuir, soit à une situation de relaxation. C'est un système nerveux autonome. Il échappe à notre volonté. C'est un peu notre côté sauvage et animal, quoi. Et comme nous sommes des humains et non des animaux, nous sommes plus ou moins capables de moduler ce système avec nos émotions. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Bien, maintenant que les présentations sont faites, rentrons dans la tête du sujet. Vous vous souvenez de l'embryologie du système nerveux? La neurulation? Non? Ah, tu sèches les cours même quand ils sont en vidéo, quoi. Ok, d'accord, très bien. Bon, pour la neurulation, ça va, c'est juste la formation d'un tube, en fait. Et ce tube neural, il va grossir à l'extrémité céphalique, pour donner trois grosses vésicules. Le prosencéphale va donner le cerveau, le mésencéphale et rhombencéphale vont donner le tronc cérébral, et le reste du tube, c'est de la moelle épinière. Le rhombencéphale va donner mielencéphale et métencéphale, donc moelle allongée et pont. Le mésencéphale restera tel quel, et le prosencéphale va lui se diviser en télencéphale et diencéphale. Et devinez quoi? Le télencéphale, c'est juste un nom compliqué pour désigner les deux hémisphères cérébraux, et le diencéphale représente la petite partie médiane du cerveau, à savoir les deux thalamis et l'hypothalamus. Oui, le pluriel de thalamus, c'est thalamie. Et oui, on a deux thalamis, droit-gauche, pour un seul hypothalamus médian. 2. Les lobes cérébraux. Vous le savez sûrement déjà, mais chaque hémisphère cérébral comporte 4 lobes cérébraux qui portent chacun le nom de l'os qui le protège. Exemple, le lobe frontal se situe en regard de l'os frontal. Facile. Voyons ensemble leurs fonctions principales. Le lobe frontal est la partie intentionnelle de notre cerveau. La partie préfrontale s'occupe de la majorité des fonctions cognitives et comportementales, et la partie plus postérieure du lobe frontal permet de déclencher un mouvement. Le lobe pariétal est la partie de la perception et de l'attention. Il reçoit les informations sensitives, donc parfois douloureuses, et permet la somatognosie, le fait de reconnaître que notre corps nous appartient bien. Et il a aussi un rôle dans la praxie, le fait de faire des gestes dans un but précis. Le lobe temporal est la partie de la reconnaissance. Il joue aussi un grand rôle dans la gestion des émotions et de la mémoire. Attention, je dis bien gestion. Le stockage de la mémoire peut s'effectuer n'importe où dans le cerveau. Et le lobe occipital, le plus postérieur, est le cerveau de la vision, qui, il faut le reconnaître, est assez développé chez l'homme. Et comment fait-on pour séparer les différents lobes entre eux? Eh bien, vous l'aurez remarqué, le cerveau, pour agrandir sa surface lors de son développement, a dû se replier sur lui-même, parce qu'il est compris dans le crâne qui est inextensible. Un repli de cerveau, ça s'appelle un gyrus, au pluriel ça donne gyri, et deux gyri sont séparés par un sillon,
qu'on appelle aussi sulcus. Il y a deux grands sillons importants. Le sillon central de Ronaldo, mais non. Mais si. Non. Non, désolé, c'est le sillon central de Rolando qui vous sépare le lobe frontal du lobe pariétal. En avant du sillon, vous avez la partie motrice du cerveau en frontal et en arrière, la partie sensitive en pariétal. Et vous avez la scissure latérale de Sylvius qui vous sépare le lobe temporal du lobe frontal. Cette scissure est assez profonde et on considère qu'au fond de celle-ci, on trouve un cinquième lobe cérébral mystérieux, le lobe insulaire. Au niveau anatomique, vous avez la même chose à droite et à gauche, bien évidemment. Mais au niveau fonctionnel, le cerveau est bien asymétrique. Certaines fonctions sont plus ou moins développées dans tel ou tel hémisphère. Par exemple, dans la grande majorité des cas, pour un droitier ou un gaucher, le langage sera plus développé dans l'hémisphère gauche. On estime aussi que l'hémisphère gauche représente globalement notre côté rationnel et scolaire, alors que l'hémisphère droit représente plutôt notre côté créatif, imaginatif et émotionnel. C'est tellement beau! C'est tellement beau! Mais gardez en tête deux choses importantes. Primo, votre cerveau gauche s'occupe majoritairement de votre moitié de corps droite. Et votre cerveau droit s'occupe majoritairement de votre hémicorps gauche. Ça veut donc dire qu'un gaucher, par exemple, aura un hémisphère droit dominant. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas parce que deuxio, en fonction de votre vécu, de votre apprentissage, de vos compétences, de vos déficits, votre cerveau s'est adapté à vous. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Du coup, la théorie est importante, mais n'oubliez jamais que la variabilité interindividuelle fonctionnelle du cerveau est juste colossale. 3. Le diencéphale et noyau gris centraux. Les cellules effectrices du système nerveux s'appellent des neurones. Très rapidement, elles ont un corps cellulaire qui génère une info et un axone, un prolongement, qui transmet cette info à distance. Les corps cellulaires sont bien rangés ensemble et forment une substance grise en périphérie, c'est le fameux cortex cérébral, et le reste du cerveau, ce sont les axones, des câbles super bien rangés qui forment la substance blanche. Mais il y a tout de même un petit peu de substance grise au centre, ce sont les noyaux gris centraux. Parmi les noyaux gris centraux, on a par exemple le thalamus, c'est le secrétariat du cerveau. Le thalamus est en fait formé d'une dizaine de noyaux, d'une dizaine de centres téléphoniques en fait, qui s'occupent chacun de répondre à un coup de fil spécifique. Exemple, vous allez mieux comprendre. Service thalamique, bonjour. Allô, c'est les voix visuelles, je comprends rien du tout, je vois que du rouge partout, faut que je parle cortex occipital. Alors déjà, on va se calmer parce que c'est monsieur cortex occipital. Moi, je me présente, vous êtes en lien avec le corps géniculé latéral. Ouais. D'accord, je suis un noyau du thalamus. Mon rôle, c'est de recevoir les informations visuelles comme les vôtres. Okay. J'organise un petit peu tout ça et après, je transmets tout ça à monsieur cortex occipital, d'accord? Ah bah oui, ça a toujours marché comme ça. Hein. Moi, c'est les informations visuelles. Pour les informations sensitives des membres, c'est le VPL. D'ailleurs, VPL, tu t'en sors? Il vient de se cogner le petit orteil contre un meuble. Neuro. Je hais ce job. Les deux thalamis sont reliés entre eux par l'adhérence interthalamique et en dessous vous avez l'hypothalamus, lui aussi formé de plusieurs noyaux. Ses fonctions sont par contre totalement différentes. Il fait le lien entre le système nerveux et le système endocrinien. Il reçoit des infos en rapport avec l'appétit, le sommeil, la température et tout. Il interagit avec l'hypophyse et sécrète des hormones pour y réagir. Parmi les noyaux les plus importants de l'hypothalamus, vous avez les corps mammillaires, qu'on peut voir en vue inférieure du cerveau. Ils interviennent dans le processus de mémorisation. Voilà. Et maintenant, je vais vous situer d'autres éléments qu'on détaillera dans d'autres vidéos. Ici, je vous montre le noyau caudé, en forme de demi-cercle, ainsi que le putamen. À deux, ils forment le corps strié, le striatum, parce que vous voyez qu'ils ont des stries entre les deux. Plus médialement, vous retrouvez le globus pallidus, composé du pallidum externe et du pallidum interne. Le putamen et le globus pallidus forment à deux le noyau lenticulaire. Au niveau temporal profond, on a un système qui participe à la gestion de la mémoire et des émotions. C'est le système limbique. Il est composé de l'amygdale dans le prolongement du noyau caudé. Il joue un grand rôle dans le comportement en rapport avec les émotions. Oh mon dieu, il a une pomme! Vous avez aussi l'hippocampe, aussi appelée corne d'amont. Elle est très importante pour l'enregistrement de nouveaux souvenirs. Pour info, c'est la première grande structure qui est touchée dans la maladie d'Alzheimer. Il est entouré par les cortex entorhinal, périrhinal, parahippocampique. Bref, si on vous parle de ces régions-là, vous savez qu'on parle de mémoire. L'hypothalamus, comme on a vu tout à l'heure avec les corps mammillaires, et un gyrus important à repérer, c'est le gyrus cingulaire. Toutes ces structures communiquent ensemble avec le thalamus via le circuit de Papez, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Là-bas, à l'arrière, vous avez l'épiphyse ou glande pinéale, qui sécrète notamment la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Les deux hémisphères sont séparés par une fissure interhémisphérique. Et vous imaginez bien que les deux hémisphères ne sont pas complètement isolés. Bien au contraire, ils communiquent souvent entre eux par ce qu'on appelle des commissures interhémisphériques. La plus grosse des commissures s'appelle le corps calleux. Il est juste là, vous ne pouvez pas le louper, servez-vous-en comme repère. Il est extrêmement important parce qu'il est situé exactement à la jonction entre les quatre lobes.
Pratique pour échanger les infos. Les autres commissures sont les deux fornix, ils unissent de chaque côté droit-gauche l'hippocampe au corps mammillaire, le cingulum, il relie le gyrus cingulaire au complexe hippocampique, la commissure antérieure et la commissure postérieure. 4. Les cavités ependimaires et méninges. Il nous reste une dernière chose à voir dans l'architecture interne du cerveau. Une chose que je vous ai pas dite, c'est que le tube neural, à la base, bah, c'était un tube. Donc il y avait un trou, une cavité à l'intérieur. Et vu que le tube s'est déformé, eh bien la cavité centrale s'est elle aussi dilatée à plusieurs endroits pour former ce qu'on appelle des ventricules ou cavités ependimaires. On a 4 ventricules. 2 ventricules latéraux dans les hémisphères, ils ont une corne frontale, une corne occipitale et une corne temporale. Entre les 2 ventricules, vous avez le septum pellucidum, qui vous relie également le corps calleux au fornix. Un 3e ventricule compris entre les 2 thalamis sur les côtés et l'hypothalamus en bas. Et enfin le 4e ventricule en forme de losange au niveau du pont et de la moelle allongée dans le tronc cérébral. Mais vous avez compris, le système ventriculaire, ce ne sont pas des structures, ce sont juste des cavités qui sont délimitées par les structures aux alentours. Mais du coup, si ce sont juste des cavités, pourquoi on s'y intéresse? Eh bien parce que les bordures de ces cavités sont composées de cellules qui sécrètent un liquide, le liquide cérébrospinal. C'est un liquide dans lequel baigne votre système nerveux central qui a un rôle de protection mécanique, protection infectieuse, il instaure une pression intracrânienne, etc. Et ce liquide circule dans 2 compartiments. Dans les cavités ependimaires, donc en intra-encéphalique et médulaire, et un compartiment extra-encéphalique, dans les méninges. Wow, vient un autre truc maintenant, les méninges. T'as vu la transition ou pas? Pour faire simple, ce sont des feuillets entre l'os et le SNC, donc cerveau et moelle, qui servent encore une fois à sa protection. En gros, vous avez 3 feuillets. Vous avez la primaire, c'est la maman douce qui serre fort son bébé contre elle pour le protéger, elle est du coup adhérente au SNC. Et à l'inverse, vous avez la dure mère, c'est la maman forte et puissante pour protéger son bébé, mais qui lui montre pas forcément ses sentiments. Du coup, elle est plutôt adhérente à l'os et non pas au SNC. Mais elle est bien plus résistante que la primaire. Ah bah écoute, dans ma vie, j'ai déjà touché une dure mère, je peux te dire que c'est dur. Et entre les deux, vous avez le feuillet arachnoïde, qui ressemble à une toile d'araignée, mais qui est surtout adhérente à la dure mère. Et en dessous, il a donc un espace subarachnoïdien entre l'arachnoïde et la primaire, et c'est là que peut circuler le liquide cérébrospinal en extra-encéphalique. Bon allez, pour finir cette partie sur l'anatomie, je vais vous décrire le trajet du liquide cérébrospinal au sein du système nerveux. Le LCS est produit en majorité au niveau des ventricules latéraux par des structures spéciales qu'on appelle les plexus choroïdes. Ce sont des amas de capillaires sanguins entourés de cellules spécifiques, les ependymocytes. Les 2 ventricules latéraux sont reliés au 3e ventricule par les foramens interventriculaires de Monroe. Le LCS passe donc dans le 3e ventricule, puis le 4e ventricule via l'aqueduc du mésencéphale de Sylvius. Et là, comme je vous ai dit, 2 choix s'offrent au LCS. Soit il reste au centre et descend dans la moelle via le canal ependimaire centromédulaire, soit il va choisir de sortir et de circuler dans les espaces subarachnoïdiens. Et pour cela, il va sortir du 4e ventricule via le foramen médian de Magendie et ses foramens latéraux de Louchka. Enfin, le LCS sera résorbé et récupéré dans la circulation veineuse grâce aux granulations arachnoïdiennes de Pacchioni. Ouais, je sais, il y a beaucoup de noms. Mais je suis sûr que vous, un jour, vous faites une petite découverte dans le cerveau, obligé, vous allez mettre votre nom dessus. Faites pas semblant. Bon, on a fait énormément de choses, alors essayons de remettre tout ça dans une jolie petite conclusion. Voilà comment je m'imagine le cerveau. 2 magnifiques entreprises qui gouvernent chacune une moitié du monde. Chaque entreprise est dirigée par 4 ou 5 boss ayant des compétences propres à chacun. Francis le frontal est poli, intelligent et musclé. Pierre le pariétal est sensible mais attentif à tout dommage physique. Théophile le temporal est reconnaisseur, mémorisateur et sentimental. Oscar l'occipital guette avec ses yeux de lynx. Et, ah oui, Ursula l'insulaire proche de Théophile, mais elle reste mystérieuse. Un patron est responsable d'un service en périphérie, divisé en plusieurs petits secteurs spécialisés. Chaque patron communique via des neurones, des téléphones un peu anciens qui fonctionnent de bout en bout. Le corps cellulaire étant le téléphone en soi, et l'axone, le câble qu'il relie à l'autre téléphone. Et sans oublier que si jamais on cherche à joindre un boss, il faut d'abord passer par le secrétariat, le thalamus. Les 2 entreprises sont certes différentes mais complémentaires, et elles communiquent souvent entre elles par téléphone, dont les câbles sont majoritairement regroupés dans le corps calleux. Autour de ces entreprises existe un liquide nutritif et protecteur qui coule dans les cavités qui sont formées entre les 2 entreprises, les cavités ependimaires, mais également entre l'arachnoïde et la primaire. Avec la dure mère, il forme à 3 les méninges qui protègent les entreprises en superficie avec les os. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que j'aurai réussi à vous faire comprendre les notions un peu complexes de neuroanatomie et de son histologie. Et d'ici là, gardez la tête sur les épaules. Et comme j'aime le dire souvent, ne vous prenez pas la tête. La neuro est un casse-tête, sans queue ni tête, que pour celui qui a la tête dans les nuages et qui ne veut pas se creuser la tête. Ciao! 目を開けていいぞ。
よくやった。卒業だ。おめでとう。みんな、ありがとう。